Attendez, parce qu'en fait, du coup, il y a un mode à challenge, excusez-moi. Voilà. Où donc, du coup, en fait, je me mets 10 minutes à chaque fois. Où donc, il y a 10 minutes max par endroit et il faut avoir le maximum de points. Et on est parti, en fait. Start challenge. Alors, donc, on peut être dans le monde entier. Là, je suis dans Urban World, c'est-à-dire que c'est que dans des villes. Parce que c'est-à-dire qu'il y a des moments où on s'en sort pas trop. C'est un peu chiant. Prohibido, camionnes. Ok, ça pourrait être de l'Amérique du Sud, ça. Ça pourrait clairement être de l'Amérique du Sud. Y a pas un petit blaze sur Inspector, lui, carrément. Inspector qui fait la circulation. Oh là, on est dans un pays un peu schlag, là. Riron aurait... Riron Arkipa. Ok. Et donc, du coup, il nous faut un peu inspecter tous les éléments. Antes, un cahier... Cadra 2, ok. Ouais, c'est du bon petit Mexique, c'est ce genre d'ambiance-là. Mais peut-être pas Mexique, je sais pas. On va voir, on va essayer de tourner. Bah, je suis con, les plaques, non? Ah non, les plaques, on peut pas. Où est-ce qu'on est, là? Où est-ce qu'on est? Attendez, je vais me mettre en plus. Je me mets plus de difficultés, je change de musique au passage. Et là, je suis que dans du risque. Là, honnêtement... Je suis dans quelque chose où je prends sur moi. Oh, ça a changé. Tout a changé. J'ai plus mes playlists. Oh, je vous mets de la funk. Je sais pas ce que ça va valoir. J'ai perdu du temps. Bon. Alors, Amérique du Sud et Sierra Buena Vista. Ah, San Agustin. Ah, là, on est clairement sur du San Agustin. San Agustin qui a l'air d'être... C'est du bon Guatemala, ça, là. Du San Agustin comme on le connaît, là. Alors, municipal provincial des Cuamanga. On est à Cuamanga. On se souvient qu'on est à Cuamanga. La question, maintenant, c'est... No botes la basura. Une combien d'actitudes, c'est la différencia. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Mais là... On est à comment, déjà, tu m'as dit? À Cuamanga. Ensuite, il faut repérer sur la map où c'est Cuamanga. Donc, la galère, c'est que quand t'as toute l'Amérique du Sud, Cuamanga, c'est un peu léger. Donc, il faut tous les indices nécessaires. Putain, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à JeoGuessr, mais en vrai, c'est cool. Je trouve que c'était une bonne idée, là. On m'a proposé ça dans le chat. On a découvert un bon petit jeu avant. Déjà, il nous faudrait une info sur le pays. Savoir le pays pourrait être très sympa. Parce que Cuamanga seul, je m'en sortirais pas. Cuamanga seul, c'est foutu, hein. Ça, là, c'est pas le genre d'info. Principal Mario. Nevada Union. Ah, dis-moi, dis-moi en plus, là. Wankuragia. Là, il y a du panneau, là. Quand il y a du panneau comme ça, moi, j'aime bien. Oh! Oh, c'était en travaux et c'est... ils ont fini les travaux du truc. Oh là là, clean. Ouais, du coup, il n'y a pas les mêmes annonces. Chinkatour, Shumen, Konga... Le truc, c'est qu'ils mettent pas leur ville dessus. Et la ville, on la connaît, mais ils vont pas mettre leur pays. Ça serait con de mettre leur pays. C'est quoi, ça? C'est Pi, là? Oh, il y a Pi, ici. Puesto de Auxilio Rapido. Eh, je vais être en galère, là. Il me reste 6 minutes. Pas de panique. Il nous faut déjà peut-être une information. Un petit site internet pourrait mettre bien un petit fond de... Là, vous vous êtes là. C'est quoi, c'est la Fiorentina, ça? Là, vous vous êtes là? Vous vous êtes là, ça vient d'où, là? C'est pas les Pourquoi je Venezuela? C'est les Mexicains qui ont fait ça, hein. Là, vous vous êtes là, mais c'est du full Mexique, là, en fait, hein. Ils mettent pas de drapeau mexicain, là? Santa Rosa. Qui faisait les vous vous êtes là, là? C'était en 2010, là, en Afrique du Sud, là. L'enfer. L'enfer dans le stade. Cuba! Ah bah Madeira, Cuba. Ah bah on est peut-être à Cuba. Ah, il y a peut-être juste écrit Cuba au hasard. Putain, je me souviens plus du nom de la ville que j'avais vue au tout début. C'était pas Camagüey. Bon. On n'a pas de chat. De temps en temps, j'ai de la chat. Hein. De temps en temps, je tombe.
San Juan Bautista, ouais, mais du coup, là, ils vont juste me mettre tous les... Ouais, il y a San Pedro, il y a San Juan, il y a tous les gars du coin, quoi. Là, il y a vraiment tous les coins, là, je sens que... Je sens qu'il me faut une route. Là, je regarde que de la pub. Après, c'est intéressant. Oh, très sympa, la petite déco, ici, là. Il y a du petit rooftop, ici. Je pense qu'il me faut une route où, du coup, on va à un autre endroit. Vu. Oh, putain, il y en a qui l'ont. Oh, j'ai dû faire de la merde, alors. Oh, je suis passé devant. Oh, je vois du smiley triste. Je vois du smiley triste, j'ai dû louper un truc de ouf. Qu'est-ce qu'il y a? Ici, au moment du rooftop? Le petit rooftop, puis vous a pas plu? Ah, ici! Oh, l'info de dingue. Photo filmationnaise. Non, pas du tout. Vous êtes en train de me perdre. Vous êtes en train de m'avoir. Chicken. Pollos a la brasa. Poule à la braise, si jamais. Là, peut-être, j'ai loupé? Non, non, mais j'ai... Vous êtes en train de m'avoir, là? Vous mettez des smileys en mode genre c'est ici. C'est ici que je vais avoir l'information. J'ai envie de regarder ici du coup. Quelqu'un qui peut me dire, quelqu'un peut me renseigner. Eh là, il y a bien une adresse là. Des corsars. Bon, je bouge parce que sinon je trouverai pas. Putain, l'Amérique du Sud, c'est assez chiant. Ils ont pas beaucoup de panneaux. Tu vois, ils indiquent pas, c'est montagneux. C'est montagneux, hein, c'est montagneux. Moi, j'imagine pas du tout Cuba comme ça. Hein. Je pense que c'est pas Cuba. Je vois beaucoup plus un Mexique qu'un Cuba, ici. Qu'est-ce que ça dit, ici? Feliz Dia. Putain, c'était en mai qu'ils ont fait les photos. Ah, on s'en fout, là, on est en train juste de se cultiver, mais 3 minutes. Hein. 3 minutes, ça tourne. Là, il y aurait Coopération Fédération des Mercados de Ayucho. Ayucho. Tireras. Domingo. Oh là là, c'est beau ça. Je suis du père. La région Victor. De la Crea Concero. Il y a le délire de foot ici. Il y a le délire de foot ici. Je pense que... Mais c'est... J'observe les gens. Il me faut plus d'infos. Il me faut plus d'infos, le chat a l'air de faire comprendre que j'ai loupé des choses importantes. Des choses, bien évidemment, qui arrivent. Wamanga. San Cristobal. C'est quoi, c'est pas des pays, ça? Ah, peut-être que c'est un état? Yucatan? Le Wamanga? Ah non, va surtout pas au Sinaloa, va au Wamanga, toi. C'est bien mieux, tu verras. Putain, mais là, je suis en train de... Pff, je pense à tous mes géoguessous, là, qui sont déçus. Mais El Monumental, mais forcément. Mais du coup, on est où? On est en Argentine, c'est des pays de foot, là. Mais c'est tous des pays un peu de foot. Après, ah, mais municipalité provinciale de Wamanga. Ah bah, je suis à Wamanga. Touristica, Isegura. Eh, lâche un blaze, lâche un pays, là. Y a pas un pays, là, à lâcher, là? 180 dias. 2013. Ah mais Wamanga, moi je connais pas bien. Hein. Wamanga. Ah je sens que je vais pas faire beaucoup de points là-dessus. Ça pourrait être peut-être le Pérou, tu sais, un truc un peu plus... où ils sont un peu plus chill, quoi. Tu vois, genre Pérou, Bolivie, des trucs un peu... Non. Bon, 56 secondes. Je suis dans la merde. Oh, Pérou! J'avais raison depuis le début. On est au Pérou. Il y a marqué Pérou, là. Echo Pérou. Moi, c'est bon. Hein. Ça m'a conforté dans mon... Allez, Wamanga, là. Là, c'est full chat, là. J'ai 30 secondes pour chatter sur Wamanga. Huancayo. Huaraz. Ah, ils ont beaucoup de Wa aussi, hein. Voilà, j'implore la... Wamakucho. Putain, il m'a eu, lui. Wakai. Waraz. Walanka. Je m'en rapproche.
Wonka. Faut que je clique. Je sais pas où cliquer. Oh, pas loin de Cusco, vas-y. Oh, 200 km. 200 km. Oh, je l'avais en plus. Ayacucho. Oh, mais ils appellent ça différemment. Respectez les traditions. Oh, Ayacucho. Oh, je l'ai vu et j'ai descendu. Ah, vous l'aviez depuis longtemps, vous? Trifix, merci pour le Prime. Xilia aussi, j'avais pas vu, pardon. C'est Niarich qui a mis 8 mois, 3 mois pour Lilout, 6 mois pour Doko. Vous l'aviez depuis très longtemps? Ah ouais, mais je suis pas... Ah ouais. Ouais, j'ai eu la ville de marquer sur un panneau. Ciudad de Ayaoul. Ouais, mais après, après il y avait les Ciudad de San Baptiste, San machin. Il y avait marqué à Pérou déjà sur les pubs. Ah merde. Il y avait le drapeau. Il y a aucun publicitaire à... Alors, drapeau, Pérou. Ah mais après, je suis rouillé. Ok, c'est pour bien être d'accord. Ils sont pas sûrs de la version encore ou... C'est lequel, la Détroit? Ah non, c'est coloré différemment. Je veux te voir dans Pékin Express. Oh mec, moi... Moins d'un dollar. On y retourne. J'étais sur Argentine jusqu'à voir Pérou. Oh bah me dis pas qu'on est de retour cartoucho Brasilis. Brasil. La première intuition, c'est Brésil. Boum. Caballeros, Estelica, Villa Beleza, Vende. Ça peut être du portugais, ça. Hein. Ça peut être... là, c'est du full portugais, là. Ao distinto, cavalero. Si. J'ai fait 3 ans de portugais, moi, de mon côté. Vous savez, quand on est lâché seul dans la... Dans la forêt amazonienne, c'est... Faut s'en sortir. Friendzone. Champarat, bigorio. Champagnat. Alors. Moi qui connais pas mal, je dirais que Champagnat, c'est vers là. À peu près. Ce sera à peu près là. Là, je nous mets une première estimation. Entre Champagnat et bigorio. En full première estimation, comme ça, de... Déjà, je rassure. Je rassure les anciens, là. Oh là, il y a du panneau, là. Non, mais déjà, c'est des villes où il y a du tram, il y a du panneau, là. C'est du... C'est très plaisant d'être ici, là. Alors, j'aimerais bien juste être de l'autre côté des lianes. Je peux... Non, ça marche pas. On a le droit que d'un côté, donc. Sao Bras. Je connais Sao Paulo, mais... Sao Bras. Du coup, on est juste sur Sao Bras. Après, là, il y a les Sao... Là, ça a l'air d'être la mif des Sao quelque chose, là. Putain, je suis que dans des gigavilles, en plus, là. Professeur Fernando. Ok, c'est pas mal. Là, faut juste qu'on soit intelligent sur la ville. On sait qu'on est au Brésil. C'est quoi la ville, maintenant? Il y a pas la ville marquée là, en bas, pas. Mercedes? Moraes. Moreira. Vu. Vous êtes trop fort, vous. Moi, je vois rien, là. Je vais redémarrer au point de base. C'est peut-être important, ça. Je suis parti par où, moi? Je suis descendu. Je vais remonter. Habile, là. Très habile, ça. Ce qui fait que ça va me donner un autre angle sur les choses. Attends. Ouais, c'est bien Brésil, hein, on est sûr, c'est le point BR. C'est toujours bon de se confirmer. Il y avait peut-être la... Je suis trop con. J'ai juste regardé en mode... juste l'adresse. Bar et restaurante Suyan. Je pense que Suyan, c'est du mytho. Eh, mais c'est du Sao Bras dans tous les sens, là. C'est grande ville, hein. C'est grande ville, c'est ville à building, là. Vas-y, on va vers les buildings. Qui dit building... dit grande artère. Qui dit grande artère, dit grand panneau. Là, on est au centro. Qui dit grand panneau, dit grosse indication. Ah. Rebucas. Pas fou, l'indication de Rebucas, là. Non, là, Rebucas me régale pas.
Je dois avouer que Reboukas. Je reviens à Reboukas en plus. Vas-y, je vais dans le cœur de la ville là. Non, mais je regarde peut-être pas assez de choses là. C'était mon souci déjà la dernière fois. Je voulais aller trop vite et. Ah, honnêtement, on fait pas au point. Hein. Déjà, si on trouve, hein, c'est bien. Eh. Mais c'est vrai qu'il y a jamais marqué Paris, quoi. Quand t'es à Paris. C'est un truc con, ça, mais. Bah, t'as jamais marqué Paris en face, en plus. Comment je vais pouvoir trouver ça en vrai? Où est-ce qu'il va y avoir marqué la ville? Oh, il y a un Jean-Louis David au Brésil? Mais jure! L'escroquerie. Par ma totale, comment je vais pouvoir trouver la ville là? São Vicente. Il y a quand même beaucoup de São, hein. C'est São à toutes les sauces. Pernambucano. Juninho. La 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 la. Pernambucano. Joinville. Mais comme quoi on n'est pas dépaysé. Hein. São José, voilà. En fait, on est à São Paulo en vrai. En vrai, on est à São Paulo. Pas à São Paulo. Ah, on n'est pas, on est à São Brás. C'est une ville, São Brás. Ah là. Dites-moi un truc là. Rossi résidentiel, Pandin, Vendée, Alugel, Estacionné. Mais je suis naze là. Avant j'étais fort un moment. Enfin, pas fort fort non plus, mais un peu fort. Genre en haut, pas mal. Il y a personne qui veut s'appeler genre brasserie São Paulo. Ah, mais en même temps, on serait à Corasso S, je serais pas au courant. Donc c'est vrai que. Authentic shoes. Pas mal le son. Je sais pas ce qu'on en pense, mais j'aime bien. Ça donne envie de vivre. Bon, je suis perdu là, je suis perdu, je suis perdu. Je suis perdu. C'est bon là, je vais aller voir là-bas, il y a marqué ça au poste. Ah bah là, ça gérerait de pas mettre que des consonnes aussi. Hein. Ah non, non, là c'est. C'est un comportement puéril là. Les arrêts de métro! C'est quoi ça là? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Praça Osario. C'est une place? Place Osario? Qu'est-ce qu'ils foutent dans leur tube eux? Quand il y a le bus qui passe à gauche? Oh, le bus. Ah, c'est un triple bus! Ah, c'est une très grosse ville. C'est une très grosse ville. Qui dit triple bus? Curitiba! 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 Curitiba, comme je te retrouve, toi, hein? Eh ben. Alors, on fait moins les malins, là! Une fois qu'on est à Curitiba même. Bon, ensuite. Qu'est-ce qu'on se fait? C'est des beaux bâtiments. Il me reste quoi? 2 minutes 20. Alors là, c'est vrai que soit je chatte en trouvant l'avenue Emiliano. C'est vrai que c'était ça les options là. Visque des NASCAR. Honnêtement, São Francisco. Curitiba, on voyait, on était un peu au centre. Je pense qu'on peut être là. Visque des NASCAR. Ah ouais, je suis en espérance de giga chat là. C'était pas mal d'avoir les bâtiments. Mais ça, c'est pas une avenue, ça. Attendez, faut que je revienne. Je reviens à mon point de base. Là, on était dans un tout petit truc. Je suis un peu quand même excentré là. Je suis pas genre. Tu vois. Là, les bâtiments semblent un peu loin là. Moi, je me vois bien à tout bas là.
Nike Factory, tu vois, là c'est à peu près où on était, je pense. Reboukas. Je suis à 2 km de ça. Je suis à 2 km de ça et je crois que c'était par là. Oh, le mec, c'est un génie, là. Attends, j'ai pris où après? Je fais la gauche. 50 secondes. Alors, suivez bien le génie, là. Théâtre. Le Sesc. En même temps, ils vont pas le mettre en giga grand, quoi. En mode, c'est ici, c'est le Sesc. Ça va être dur. Hein. Il y a un décathlon aussi ici. C'est quoi la rue là dans les 20 dernières secondes? Je suis pas bon là aujourd'hui. Hein. Al Augusto. Reboukas 2 km. Ouais, je vais te mettre là. Ah, je suis à 5 km. Ah mais non, mais j'étais dans Reboukas même en fait. Mais je suis trop con. Mais pourquoi il me disait 2 km? Ah, c'est que ça doit faire 2 km ça. Pas mal en vrai. Sur le Jean-Louis David, il y avait écrit les villes où le magasin est présent. Alors de mon côté, je vais pas me faire couper les cheveux. Hein. Je cherchais juste à avoir le plus de points. Mais 4981 points, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est vrai qu'on aurait pu faire mieux. Mais souvent, tu sais, genre, en fait, tu zoomes et il y a tellement de petits trucs que tu sais, tu penses que c'est loin, mais c'est pas si loin, quoi. T'es passé en courant. Ah! Tout va bien. Elindral, merci beaucoup pour le 15e mois, mon frère. J'espère que tout va bien de ton côté. Azote! Azote, Azote le prod. Qui lâche son prime, Miami Unique aussi sur 12 mois l'année de sub. Merci à toi, Cric Crac. 56 mois, putain, 56 mois parmi nous. Vince, 3 mois et Thibaut, 4 mois. Merci énormément. Bon, c'est mieux. C'est mieux, mais c'est galère. Le jeu, c'est GeoGuessr. GeoGuessr. En général, un bloc de rue, c'est 300 mètres. Ouais, c'est vrai, mais du coup, je me perds un peu. Bon, heureusement, on avait repéré la ville. D'accord. Bienvenue. Il y a Speedy Gonzalez, là. Il y a. Ok, yes! Yes! C'est quoi, c'est un cirque? On est encore au Brésil? Par un cirque, basta. Uma. Uma, les UM, c'est très portugais ça. C'est Roité, c'est Brésil ça, c'est pas du tout Espagne ça. On est encore au Brésil, putain, bon, on se fait du Brésil à gogo là. Ok, bah écoutez, on va se faire quelques panneaux publicitaires, on va voir où nous mène cette petite route, hein. Du concours public. Préfecture municipale des Boa Vista. Vous le sentez le 5000 puntos? Ah, il est juste là, il arrive. Alors, Boa Vista, c'est où déjà Boa Vista? C'est pas de la mer, Boa Vista? Pourquoi c'est connu Boa Vista? Je connais Boa Vista. Près de la mer là quand même. Alors c'est tout petit. C'est au Brésil au moins là. Ça. Ah, c'est pas dans la forêt amazonienne. Boa Vista, ok. Ah, c'est peut-être parce que c'est à côté de la Guyane, non? Je sais pas. Bon. On a Boa Vista. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah ensuite, c'est une grande route, quoi.
C'est une grande route et idéalement, il nous faudrait le fleuve. Un truc de cirque là? Ah ouais, c'est du. C'est de la grande route. Hein. Là, c'est vraiment de la très très grande route. Là, on est concrètement sur. Ah, à gauche, là, ça va être intéressant. Bon, c'est pas si fou. Je pensais que ça allait être un truc un peu shopping. Non, on rentre dans le vrai de Boa Vista, là. Ça avait l'air un peu chum au début, ça a l'air pas mal, là. Comtesse de Roaimi, là. Ouais, bon, c'est ton tiex, quoi. C'est. Ouais, un petit Anita Sushi. Quoi? Oh la vache. Avenue Monet Eduardo. Eduardo Gomez. Ça doit être du big alors du coup. Manuel Philippe là. Y'a pas de Manuel Philippe? Eduardo Gomez. Bah écoute. J'ai comme l'impression que je vais suivre tout droit pour aller sur Eduardo Gomez. Mets-moi 5 minutes. Est-ce que ça serait pas cette petite route, l'avenue Eduardo Gomez? Vraiment à Boa Vista, c'est pas ce qu'on préfère, indiquer les routes. Très bien. Je continue. Du coup, si on va là. Merde, rouge, c'est quoi? C'est sud? C'est sud ou nord? Là, je vais au sud. Un peu sud-est, là. Non? Y'a pas l'adresse là-dedans, là? Rue Sorco Sorocaima. Du coup, si j'allais au sud-est, c'est-à-dire que je descends et qu'ils me disent tout droit. Je pense que c'est peut-être pas le mieux de chercher cette rue. Pernambucano. Aéroport. C'est-à-dire qu'on est peut-être plus haut encore. Là, je me perds là. Ça fait beaucoup de bien. Ouais, bon. Mais du coup, attends, elle est où, leur avenue là? Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Et là, on n'arriverait pas vers l'aéroport là? C'est quoi ça? Le 6e bec, le bataillon. Oh lolo, mais je suis où là, putain? Là, c'est l'armée là. Putain, mais je suis pas du tout au bon endroit là. Putain, j'avais une bonne info là. Non, mais là, je suis dans le camp militaire là. C'est où le truc militaire? Militario là. Donnez-moi du militario quelque part là. Ibis. Généralement, derrière. Il y a du sens à avoir derrière l'aéroport une zone un peu militaire, tu vois, en mode. Ça pète dans le centre-ville. On se doute bien, ça pourrait être là, si je suis... avec la logique que j'ai eue tout à l'heure. Pas d'être là, hein. De l'autre côté, carrément?
C'est vrai que je peux agrandir, putain. Ah, j'avais oublié ça. C'est vrai que c'est quand même assez plaisant. Militarisado. Est-ce qu'il n'y aurait pas du full militarisado dans le coin, là? Pas du tout, il y avait juste un petit collège comme ça. Juste, ils se sont dit, celui-là, on le militarise. Habile, hein. Ah, il floute un peu, hein, les pistes et tout. Non, mais là, je me sens faible. J'avoue que là, je me sens un peu à chier. La 3ème division district de police, bah, c'est cette ambiance, là. Vas-y, donne-moi le 6ème bec, là. Puis je m'enferme dans un seul coin, aussi. Oh, mes yeux sont partout, là. Mais nulle part. Ah, je me suis enfermé, là. Je me suis enfermé de fou. Ouais, bah, écoutez... Écoutez, hein. Ça va être un bon petit pif, je crois. Allez, en dernier recours, on va revenir à... Oh, ouais, c'est vrai que l'endroit de base, aussi... Et c'est un peu en dehors de la ville, quand même, quoi, tu vois. Donc, si c'est un peu en dehors de la ville, et que c'était... Oh, le 6ème bataillon. Attends, du coup, je suis parti par où? Je suis parti là-bas. Donc, je suis parti au sud. Je suis parti... Un peu au sud-est. Merde, j'ai perdu le 6ème bataillon. Le con. Je démarrais genre là. Je suis là. Là. Attendez. Parce que je suis juste à côté. Mais là où on a spawn, c'était l'endroit de... Genre, c'était leur centre-ville? C'était genre... Et pour moi, on était quand même un peu éloigné, quoi. Là, c'était genre le max. Ah, putain. Ah, dommage, quand même. On a bien rattrapé avec la fin. Nagi Swati, merci pour le 11e mois. Gekta aussi, 11e mois. Ah, putain. Planète Zoo, please. Bah non, tu vois bien que le centre vide. Bon, ah, il nous en reste deux, là. Allez, plus efficace, là. On veut plus d'efficacité, là. On en a un peu marre, là, de Asie du Sud, enfin, Amérique du Sud. On aimerait bien un autre truc. Oh, mais ça va être un truc où... Si, ça va. Je peux lire. Je peux lire. Bandung. On est à Bandung. Merde, c'est .com. Ils sont tous en .com. Akpol, Bintara... Ok, on est en Indonésie déjà. Ok, là, ça commence fort, là. Indonésie, pays avec le plus d'habitants au monde. Enfin, le plus de musulmans au monde. Plus d'habitants. Ok, bonne info, ça, déjà. Très, très bonne info. Ça nous fait plaisir. Bersama, Kita, Perangi. L'Indonésie, le souci, c'est que c'est gigantesque, en fait. C'est un cauchemar. Bandung! Oh, le bon vieux Bandung! Oh, ça fait si longtemps que je suis pas venu. Oh, mon Bandung! Comment ça va, mon band-band? Aïe, 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 aïe. Tu me régales! Oh, moi, il y a marqué Bandung ici. New Dimension, Hôtel Confort, Hôtel Perdana. Je vais suivre ici, moi. Là-bas, il y a du building, au fond. On n'est pas très loin du centre... On n'est pas très loin du centre.
Le Fabu Hôtel. Est-ce que là, comme ça, il n'y aurait pas un hôtel Le Fabu? Ça serait fou. Ça serait assez fou, mais... Là, on est très en tamane. Ah, Le Fabu, faut zoomer pour Le Fabu. Bon, là, ça va être perte de temps. Plus d'infos. Où est-ce qu'on peut se retrouver? Mais il y avait l'adresse tout à l'heure. Attendez. Il y avait l'adresse, en fait, là-bas. Je suis con. JL Gen sur Kliman. 60-68 Bandung. Regarde les JL, là. Ils sont là. Parfait, ça. Alors, tout est JL. C'est pas genre avenue, JL. Mais on est à 500... Et là, c'est 500 mètres. Donc, le Gen de... sur Diman, il est à 500 mètres de nous. Sumbawa. Sur Yanni, ok. Est-ce qu'ils ont des... Ah, c'est pas l'ambiance non plus, ça. Des petits écriteaux pour nous dire dans quelle rue on est. Bah bien sûr. Pourquoi ils en auraient pas? Alors nous on est à JL Os. Et c'est de l'avenue un peu stokos. C'est de l'avenue à trois fils quand même. Ok, c'est de l'avenue pas mal. On est à Os Kokro Aminoto. C'est parce qu'on cherchait là, le Suniria, là. Ah non, Suclerman. Pas être facile, quand même. Hein. Parce que je pense que, du coup, il y a beaucoup de gens aussi. Donc, des avenues à trois voies, c'est pas non plus le truc, tu sais, qui te met une claque, quoi, dans ce genre de ville. T'envoies, quoi. Putain. Ouais, bah on est en recherche, hein. Après, est-ce qu'il me faut plus d'infos? Est-ce qu'il me faut... Je pense qu'il me faut plus d'infos, mais... On voyait qu'on était un peu en périphérie. Si je dois me repérer, tu vois. Vraiment avec... Que des infos de merde. Là-bas, il y a quoi, déjà? Ouais. Bon, là, il y a de la merde, là-bas. Là-bas, j'ai l'impression que c'est des buildings. Quand je vais concrètement à l'ouest, il y a des buildings. Donc, ça pourrait vouloir dire... Attends, parce que là, je vois du JL Gen sur Diman, là. C'était Suclear ou... Rezoom, rezoom. Reviens, reviens. C'est exactement ça, là. Donc là, si on va là, à 500 mètres, on est à JL Gen sur Diman. Sachant qu'on est à l'ouest. Enfin, donc on va vers l'ouest. Donc si on va vers l'ouest, ça veut dire que, bah oui, enfin, on est plus là, quoi. Il y a une logique, là. Hein. Là, on est sur quelque chose, non? Après, putain, elle est longue. Hein. Ah non, ça s'arrête là. C'est quand que c'est encore sur Diman? Ah, c'est sur Diman très peu de temps, en fait. Hein. C'est sur Diman, c'est sur Diman, c'est sur Diman... Là, déjà, on est plus sur Diman, je crois. C'est Asia-Africa, voilà. Sur Diman,
c'est quand même assez peu de temps parce que ça s'arrête ici. Ce qui fait qu'on a des routes là et que techniquement, donc nous on rappelle qu'on est plus dans un délire ouest. On est vers là quoi. Écoutez, on va la suivre cette petite route. Voir un peu comment on y va. Bientôt 3 ans, merci Stéodec. Et je pense que du coup on arrivera sur... Ou alors c'est ça. Et je suis en train de l'apprendre là. Ah non, elle fait tout ça. Oh con. Oh con. Ah, oh, non, c'est plus ça là. Ah mais ils changent de nom rapidement sur leur national. Ok, donc ça démarre ici. Ça démarre ici sur une deux voies et sur... Ok. Bon. Bon, j'ai des infos, hein, mais bon, ça m'a l'air d'être ça, là. Là, je sens bien un petit surdiman ici, là, moi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Pas aller jusqu'à dire que ça sent le surdiman, mais... On pourrait très bien s'imaginer sur Surdiman, là, quoi. Moi, je suis 1014. T'égales, les gars, pas ça. Mais du coup, à quel moment j'ai fait l'injonction? Parce que c'était pas une rue de merde, quand même, là où j'étais avant. Là, tu vois, je vais au nord. Et Surdiman, ça va jamais au nord. Surdiman, c'est zéro nord. Qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je branle? Je suis en train de me perdre, putain. Ah, oh, je me suis du père. Ah, oh, c'est trop, ça fait 30 ans que j'ai pas joué. Tenter le petit coup de chat, hein. Oh. Surdiman était là. Ah, fallait continuer quand même, hein. Ah bah ouais, fallait prendre quoi, du coup? Ah, le souci, c'est que j'ai pris ça, moi. Bah non, parce que j'allais à l'ouest. Ah, je suis parti sur Sunyajara. Ah ouais, putain. Le nord est toujours pointé par la flèche rouge. Le nord, c'est le rouge. Ah, je pensais que c'est... Mais vous m'avez dit non. Je pensais que c'était l'inverse, non? My name is Sevan, n'est-ce pas le quarantainième mois? Knacky aussi. C'est dommage, les mots only, suffit de ban les spoils. Bah en fait, c'est juste que du coup, je sais pas. En fait, sinon, soit tu vois et tu dis, mais si tu dis pas, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Compliqué apparemment d'utiliser une boussole. Oula, j'ai l'impression que Nico Karabatic... est en petite trêve de Paris foireux, là, pour une petite pause Twitch. Non, moi je pense que c'est mieux les motos liens. Sinon, c'est un peu galère quoi. C'était pas si loin quand même, hein. Je suis à 3 km quoi. Mais ouais, c'est pas facile d'utiliser une boussole. En effet, c'est pas facile. Ah ouais, moi je pensais que c'était l'inverse. Ah, mais du coup, c'était de l'est au lieu de l'ouest. Ah, mais n'hésitez pas à me dire, hein. Parce que c'est clair que. Bon, ça c'est États-Unis ça. Ça, c'est des bons ricains, ça. C'est pas bleu, leur panneau? Aux Américains? On va voir, c'est quoi? North Shore.
Monkeys. Peut-être Canada, ça. Hein. Parce que c'est l'écriture un peu américaine. Oh merde, y'a rien écrit. Qu'est-ce que ça peut être du coup? Nelson Street, Sky City. Ah, les pubs vont nous aider. Hein. Ça peut être Ricain, mais. Enfin, je vais pas me taper que du périph là. C'est du dollar. Merde, c'est quoi écrit ici là? Je sens bien ça quand même. Akun, merci pour le prime. Je sens quand même bien ça aux États-Unis, quoi. En fait, faut juste que je sorte d'ici, là. Ah, c'est la Nouvelle-Zélande. Les cons. Ils ont le dollar aussi. Ah, ils sont bons. Non, non, ils sont bons, ils sont bons. Alors, du coup, au tout début, qu'est-ce qu'on voyait au tout début? Boy of Exploration. Alors, est-ce qu'une de ces villes, du coup, qui irait donc à l'ouest? Ah, il y a marqué South Island et tout. D'accord, et donc il y a vraiment le nord et le sud. Là, en allant donc vers le... Je vais dire. Attends, le rouge, c'est le nord? Parce que là, ça indique le nord et on va vers le sud. Je ne comprends pas. Ah, c'est peut-être que ça, c'est... Mais non, ils ont pas... Hamilton vers le sud. Donc du coup, on est à la sortie d'Auckland. Donc là, il y a les différentes routes, là. Moi, c'est la route 1. Soit tu la prends vers le nord, soit tu la prends vers le sud sur Hamilton. Si tu la prends vers le nord, tu vas vers Whangarei. Et l'autre, c'est Manukau. Manukau, ça doit être un truc encore plus bas, je pense. Moko. C'est pas mal, là. Hein. Pourquoi je fais ça, on s'en fout en fait. D'où va Manukau? Ça m'intéresse beaucoup, où va cette route 1 là, tout d'un coup. Ah, une belle route. Manukau, on l'a suivi. Hein. On l'a suivi, on est content. Non, on l'a traqué. Non, il fallait. Alors, du coup, là, on va donc... Il y a la 16 dans le coin aussi. Où est-ce que la 1 et la 16 se croisent à peu près? Bon alors, bah écoutez... Enfin là, j'ai juste l'impression qu'en fait, on est là, quoi. Comment vous dire que si je continue ici... Bah, je suis à un endroit où j'étais pas avant. Ah bah... J'étais pas là il y a 2 minutes. Moi je recule. Bah tout d'un coup on est autre part. C'est trop bizarre qu'ils indiquent pas Auckland. Manukau City. C'est ça là que ça a indiqué tout à l'heure. C'est pas du tout en bas. Et la 16 elle est aussi là. On est dans Auckland là. On est là. On est dans ce genre d'endroit là. Alors on montre qu'il redonne à côté comme info. Là je vous fais un 5000 points pour finir, pour vous libérer.
Helensville. Ah, il y a le Oakland Bridge. Oh, damn. Ouais, c'est le truc North, là. North Shore et compagnie. Ok, donc pour moi, on est là, là. On est quelque part par là, là. On est en train de traquer, là. Encore plus, là. Juste comment je vais pouvoir me retrouver. Là, je fais un tour. Donc là, je vais vers le sud, là. Donc là, je peux très bien être là, là. Là, je fais un tour. Là, ça m'indique quoi? Ça m'indique encore 1 et 16. 16, elle est où? Donc, je peux même être là, là. Dans ce bourbier, là, infernal. Là. Ça a l'air de ressembler un peu, en plus. Un multi-échange... échange. Je continue. Boum. Je me retrouve là, donc. Là, j'avance. Mais là, je vais vers où, là? Je n'avance pas, là. Je fais de la merde. J'arrive pas à comprendre où je vais. Je vais à l'ouest, donc je vais à droite. Donc je suis là, là. Donc je suis une merde. Je sais pas me servir d'une boussole, en fait. C'est ça, la réalité. Ah mais c'est terrible. Et ensuite j'arrive là-bas. Et là-bas il y a quoi là? Ça c'est le nord, vous m'avez dit là, le truc rouge. Et donc là je vais au nord. Ah mais donc du coup j'étais là. J'étais plus là en fait. Et il t'indiquait la 16. Mais est-ce que j'étais bien... J'étais sur la 1 ou j'étais sur la 16? Ou est-ce que j'ai juste sorti prendre la 1? Ah, c'est terrible, hein. Ma gestion de boussole est absolument terrible. Non, je suis streamer à ce point-là, vraiment? Attendez. Ah non. Jusque-là, c'est pour le sud. Du coup, en gros, il y a eu une mélasse, là. Et là, on va au sud, je pense qu'on est là. Ah, c'est chaud. C'est chaud, mais je pense qu'on est là, à peu près. Parce qu'ensuite, il y a la 1 qui va au sud. Moi, je continue tout droit. Et je me retrouve à prendre la 1 au final pour remonter. Je pense que je suis là. C'est pas grave. Ah bah, si, je suis là. Papa, je suis là! Mais bien sûr, belle lecture de boussole. Bon, un peu tardive, parce que le virage est quand même long. Mais belle lecture de boussole. Je voyais vos 1 sur 10, là, dans le chat. Non, je suis en belle... 24 111 points. Bon, j'étais un peu fatigué. Hein. On va pas se mentir que j'étais un peu fatigué, mais les 3 derniers... En fait, c'est le premier que j'ai choke. Parce que sinon, j'ai fait 4981 points. 90, 88, 99, et juste le premier, j'ai choke. En vrai, c'est pas horrible pour le temps. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Mais c'était cool, en tout cas. C'était bien sympa, ce petit moment. Oublie pas de relier le carré. Merci, mon mot, pour le 21e mois au total. Merci beaucoup. Nitz aussi. Il y a Nicolas Denimal aussi qui a lâché son prime. Bienvenue à toi, Jérémy, je pense. Merci beaucoup. C'est quoi le but du jeu, en fait? C'est de se retrouver. Ça pouvait se faire avec le point. T'as pas besoin de guess. Ça le fait automatiquement sur la fin du chrono. Ah, je savais pas. Je pensais que ça te mettait rien du tout si tu mettais pas. Donc, wesh mon bro PA, ça va ou quoi, Yas? Bon, c'était cool, ça m'a un peu lavé le cerveau par contre. Hein. Ça fait longtemps que j'avais pas joué à Jaguar, mais pour finir un petit live, c'est assez sympa de temps en temps. J'aime bien, le principe est simple, si vous venez d'arriver, c'est juste en gros, t'arrives sur un endroit, et tu sais pas où t'es, et tu dois te retrouver en fonction des panneaux et tout.
Honnêtement, c'était cool. C'était pas mal hier soir. Ouais, c'était lourd avec Anil. Honnêtement, hier, c'était vraiment, vraiment sympa.